que pour ce qui est des gentils, c'est terminé. Tout ce que les gentils attendaient devait avoir lieu au temps du fils de David. Mais avant de devenir comme fils de Dieu, mais avant de descendre, avant de revenir comme fils de David, il y a un espace où il est encore le fils de l'homme. Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il restait les 3 ans et demi. Vous entendez moi? Les 3 ans et demi à accomplir pour accomplir la 70e semaine. Mais quand la pierre descend, la pierre va mettre fin à la 70e semaine. On ne peut pas parler de la, du dernier moitié de la 70e semaine d'année, des 3 ans et demi restants après la descente de la pierre de fête. La descente de la pierre de fête vient accomplir la dernière, le dernier morceau de 3 ans et demi. Très bien. Et l'enlèvement, c'est où? C'est dans les 3 ans et demi. Voilà pourquoi les gens disent que nous irons au ciel pendant 3 ans et demi. Frère Branham dit, je ne crois pas qu'au ciel, il y a des maisons faites de briques et de bois. Non, mais c'est... Est-ce que vous croyez ça? Amen. Je ne crois pas qu'un être surnaturel peut habiter dans une maison faite de briques et de ciment. Non, monsieur. Quand Jésus parlait de maison, mm-hmm. quand il dit que je m'en vais vous préparer, Frère Branham dit que Jésus parlait de corps. De corps. Amen. Il est parti préparer le corps. Amen. Quel corps? Ce sont vos théophanies. Amen. Et quand Jésus revient, il ramène le corps. Là, le Frère Branham dans qui est ce mentionné qui dit, à chaque fois que vous écoutez la parole, vous l'écoutez à partir de votre air. Théophanie. Mm. Parce que votre corps ici ne peut pas croire la parole. Mm. Vous croyez la parole par votre théophanie, parce que la théophanie c'est le corps parole. Amen. Comment est-ce que la chair, qui est le péché, doit croire la parole? Non, monsieur. Si vous comprenez ça, alors vous serez à mesure de comprendre que ce corps n'ira nulle part. Mm. Parce que ce corps, ce n'est pas la parole pour commencer. Mm. Ce corps est venu par l'intelligence de l'homme. Mm. C'est le diable, Satan, qui avait introduit la création de l'homme par le sexe. Mais pour Dieu, l'homme devait être créé par la parole parlée. Comme Jésus a été créé. Amen. L'exemple parfait de la création, c'est la création de Jésus. Amen. L'ange est venu vers Marie. Et l'ange dit à Marie, je suis tombée enceinte. Sans Marie, Marie dit, comment est-ce que je serai enceinte, tombée enceinte sans connaître un mari, un homme? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Mm-hmm. Voilà la naissance que je chanterai par. Alléluia. La pierre de fer est descendue pour vous donner la naissance. Mm-hmm. Frère Branham a dit que l'homme né de la femme doit mourir. Mm-hmm. Celui qui ne mourra pas, c'est l'homme qui est né de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut naître de Dieu. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est la descente de la pierre de fer. Mm-hmm. Tous les anciens de l'Ancien Testament, ils attendaient la descente. Mm-hmm. Parce que la descente là, c'est la descente du livre de la rédemption. Amen. C'est la descente du septième sceau. Amen. Le septième sceau, c'est le sceau de l'épouse, frère. Amen. Le septième sceau ne concerne pas les dénominations. Non. Le septième sceau ne concerne même pas les dénominations du message. Non, Dieu. Bon, quand je parle de dénomination, mm-hmm. moi je parle de dénomination du message. Mm. Parce que c'est la dénomination la plus dangereuse. Mm. Ouais. Une dénomination qui est le vôtre. Oh Seigneur. Ça, c'est très dangereux. Les joints du temps de la fin. Les joints du temps de la fin, ce sont les joints qui sont avec nous. Répétant Branham dit, mais rejetant ce que Branham a dit. Vous comprenez? Nous, nous ne raisonnons pas. Nous sommes comme Noé. S'il faut construire l'arche sur la montagne, nous allons construire. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je n'ai aucun raisonnement. Si Dieu me dit, enlève les habits, marche mieux dans la rue, je vais le faire. Critiquez-moi ou pas, ce n'est pas mon problème. Il y avait un prophète qui l'avait fait, non? Oui. Dieu lui, est-ce que vous allez comprendre? Il dit à ce prophète-là, déshabille-toi, il marche nul dans la rue. Et le prophète l'a fait. Un homme comme Noé, Noé est un grand prophète. Vous savez comment il a fini? Il a fini ivre. Il a bu jusqu'à ce qu'il s'est déshabillé. Tu vas me dire que Noé est en enfer. Non. Mais Dieu le paradoxe. Dieu n'aime pas ce qui est bon. Il aime ce qui est sa parole. Amen. Nous répétons ce que Dieu a dit au travers du prophète. Amen. Donc, le frère Branham dit que c'est Jésus qui vient régner comme le fils de David. Donc, la pierre de fête, quand cela descend, ne pensez pas au fils de l'homme, ne pensez pas au fils de David, c'est le fils de David, au fils de Dieu, c'est le fils de. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La pierre de fête, c'est le fils de David.
Amen. Et Islay, le fils de David, où passait? Dans le milieu. Est-ce que c'est moi qui ai dit qu'ils sont dans le milieu? Amen. C'est pas moi. Si on n'est pas dans le milieu, il n'est pas le fils de David. Donc la pierre n'est pas descendue. Maintenant, la pierre va descendre quand? Non, la question est celle-ci. Est-ce que la pierre est réellement descendue? Alléluia. Amen. Montre d'abord ça. Amen. Le frère Branham me dit, je vais aller vite. Le frère Branham me dit que la pierre là doit descendre au temps de Kouchev. Ouais. Et Esenoé. Ok. Bongo! Kouchev et Esenoé doivent être là. Le frère Branham dit, je parle à la 70e semaine de l'année. Maintenant, remarquez, ici à la fin de cet âge-ci, au Daniel au chapitre 2, au verset 34 et 35, il observa cette statue avec une grande attention. Il a observé jusqu'à ce qu'une pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant. Elle a frappé la statue au pied et elle l'a brisée. Elle ne l'a pas frappée à la tête. À la tête là. Elle l'a frappée au pied. Ça, c'était le temps de la fin. Les 10 orteils. Amen. Mais là, c'était le temps des 10 orteils. C'est quoi les 10 orteils, c'est le frère Branham? Frère Branham dit que les 10 orteils, c'était les 5 rois. Ok? Amen. Bon, je lis le frère Branham. Une longue lecture, mais restez avec moi. Avez-vous remarqué, ici même, juste avant que M. Esseloé sorte, le dernier protestant de l'Amérique comme président, et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Ouais. Mais, juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, quand il a eu cette rencontre, la dernière rencontre qu'il a eue avec la reçue, il y a 5 pays communistes de l'Est qui étaient présentés. Ouais. 5 pays occidentaux. Mais ce Khrushchev était la tête des pays de l'Est. Ouais. Mais Esenoé était la tête des pays des occidentaux. Ah. Et Khrushchev, d'après ce que j'ai compris, et ce qu'on m'a dit en reçu, dans cette langue-là, Khrushchev, ça veut dire quoi? Absolument. Et Esenoé, ça veut dire quoi? Faire. Ok. Nous avons maintenant. Amen. Ici, nous avons notre Daniel moderne. Les abondants. Qui avance maintenant la révélation. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Amen. Frère Branham me dit Khrushchev, qui veut dire argent, et Esenoé, qui veut dire faire. Ce sont ces deux rois-là qui représentaient les 4 autres pays derrière eux. Ça forme combien? 10 orteils. Et le frère Branham me dit que la pierre-là doit descendre au temps de ces rois-là. Ouais. Maintenant, Khrushchev et Esenoé sont où? Ils sont partis. Maintenant, c'est une condition sine qua non. Ouais. Veut dire que pour que la pierre descende, il faut que Esenoé et Khrushchev soient là. Amen. S'ils sont déjà partis, cela veut dire que la pierre est déjà descendue. Et si la pierre est descendue, c'est quoi la pierre en question? C'est Jésus-Christ. Qui descend? Qui descend comme qui? Fils de David. Fils de David. Pour régner où? Dans le millénium. Vous êtes avec moi? Alléluia. Ah, mon Kenji. Est-ce que vous avez le message? Amen. Je vais finir. Je vous ai déjà montré que la pierre est déjà descendue. Les femmes, madame, c'est. Mais qu'au jour de ces empires-là, que les rochers, que la pierre qui était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main a frappé la statue au pied. Or, détachée d'une montagne, ça devait être une montagne de roches. Et c'est détaché de la montagne de roches. Or, avez-vous remarqué ça? Maintenant, j'ai lu dans Hébreux chapitre 12. Je vais relire ça pour terminer. La Bible dit que la voix de Christ a dit qu'il ébranlerait les cieux. Et il ébranlera la terre. Mais à nous, on nous a donné une promesse que nous, on n'héritera pas un royaume qui est inébranlable. Mais le frère Branham dit ceci. Laissez-moi trouver ça. Hébreux 12. Voilà. Hébreux 12. Lui dont la voix alors ébranla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Écoutez, ces mots, une fois encore, indiquent quoi?
les changements des choses ébranlées. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. La Bible explique, ces mots indiquent les changements des choses ébranlées. Comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Les choses inébranlables, c'est parce que ce sont les choses éternelles. Or, les choses éternelles descendent à la descente de la pierre. Amen. C'est pourquoi recevoir un royaume inébranlable, parce que c'est un royaume qu'on doit recevoir. Ok? Amen. Maintenant, le frère Branham donne l'explication à ça. Il dit ceci. Ceci, c'est de l'évangélisation. Je vais lire le titre de la prédication. C'est dans sa présence. Paragraphe 35. Écoutez-moi bien, j'ai fini avec ça. Frère Branham dit ceci. Ceci, c'est de l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. Amen. Vous êtes là? Amen. Les femmes ont dit, ceci, c'est l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. On les ébranle comment? Quand on va commencer à briser leur compréhension. Alléluia. Frère, d'après Frère Branham, quand la pierre de fête descend, nous sommes déjà au-delà de l'enlèvement. Est-ce que la personne n'est pas ébranlée? Est-ce que la personne n'est pas secouée? Alléluia! Quand la pierre de fête descend, ça nous introduit. C'est la fin de l'introduction dans les millénium. Est-ce que les gens ne sont pas ébranlés? Ils sont ébranlés. Amen. Ébranlés, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Frère Madame dit que c'est le temps où il faut ébranler les gens. Ouais. En anglais, il dit, it's a time to shake people pour les secouer. Amen. Non, frère, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile pour secouer, pour les ébranler. Amen. Et la bongo. La doctrine. La fausse doctrine, c'est dire ce que le frère Madame n'a pas dit. Amen. La fausse doctrine, ouais, c'est aller dans l'enlèvement sans le septième ange. Mm. Parce que le septième ange dit, le septième ange ira dans l'enlèvement vivant, ouais, avec son groupe. Mm. Oh non, frère! Mais le frère Branham va ressusciter. Si il ressuscite, il sera Moïse. Hey. Parce que Moïse représentait les saints ressuscités. Élie, oui, représentait les saints, hein? Vivants. Alors, vous, quand le frère Branham descendra et reviendra pour l'enlèvement, il sera qui Moïse? Oh Seigneur Jésus. Il y a des ligots. Au moins, il va bloquer. Non, frère, je vais ébranler. Si vous êtes ébranlé, c'est les douleurs de l'enfantement. Mm. Après, vous allez enfanter le fils de Jésus. Ne vous en faites pas. Ne vous confiez pas dans cette chair. C'est de l'échec pour commencer. La chair ici n'ira nulle part. D'ailleurs, cette chair, ce n'est pas vous. C'est une maison dans laquelle vous vous habitez. La Bible dit que dès que cette maison est détruite, il y a déjà une autre qui m'attend, qui vous attend. Ça est déjà là. Amen. Amen. Il y a une maison, une tente qui vous attend déjà. Dès que vous quittez, vous entrez dans l'autre là. Amen. Et cette tête-là, elle est beaucoup, elle est meilleure que celle-ci. Frère Branham appelle celui-ci la maison des pestiférés. Les bosarés. Quand je venais regarder la vidéo, j'étais beau. J'avais mes cheveux. Regarde ce que je suis devenu. J'ai sûrement déjà dit. Allez, anonyme. Mais pourquoi m'y aller, mon ami? Est-ce que vous le regardez? Non, oui. Moi, ça va le faire aussi. Non. Mais les frères, regarde vieillir. Ils sont en train de vieillir. Amen. Frère Branham dit, la mort, ce n'est pas quand vous entrez dans le cercle. La mort, vous mourrez tous les jours. Mais il y a quelque chose en vous qui, alléluia, ne mourrez jamais. Amen. Et cette personne-là, c'est Christ en vous. Alléluia. N'est-ce pas dit la parole? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est ça, le pasteur a dit. La gloire, c'est quoi? C'est Christ en vous. Amen. Amen. C'est l'évangile pour ébranler. Je souhaite le finir. C'est l'état dont Dieu a parlé, disant qu'il viendrait un temps, qu'une fois qu'il avait ébranlé le mont Sinaï, mais qu'il y aurait de nouveau un ébranlement ou un chambardement. Alléluia. Ça, c'est le message des chambardements. Le sixième chose, c'est le chambardement. Là, vous voyez, vous m'en mordez les gnocs. Sixième chose.
La fin du monde. Sixième sujet. Chambre d'arrivée. Un homme qui va refuser les femmes, il va prendre un homme. C'est le chambre d'arrivée. Comment est-ce que tu vas. Frère, pour moi, un homme, quand je vois un homme, j'ai envie de vomir. Parce que je suis un homme. Comment est-ce que je peux être attiré par un homme? Ça, c'est le chambre d'arrivée. Vous comprenez? Une femme épouse une femme. Comment ça? Le temps viendra où la nature même sera chambardée. Frère Barnabé dit que quand ça descend, ça vient ébranler les systèmes. Même les églises vont être ébranlées. Frère Barnabé a ébranlé les églises. Il est devenu ennemi de tout le monde. Jésus a ébranlé les églises. Quand Jésus est venu, il était ami à personne. Il les a donné les poissons à manger. Il les a donné le pain. Il a guéri leur maladie. Mais lorsqu'il dit, celui qui croit en moi, il dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Frère Barnabé dit que ça, c'était tout haut pour eux. Ils ont quitté l'église de Jésus. Ça, ce n'est pas le parlement. Frère Barnabé, ils ont dit que mais ce monsieur, c'est un Dracula. C'est un magicien. Il veut nous donner sa chair pour paix. Il veut nous donner son sang comme vin. Non. Frère, moi, je quitte l'église. Oui. Frère Banam dit que alléluia. Je comme ça pour pousser les autres à partir. Ouais. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Ce sont les gens qui concernent les enfants de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, ceci ne les concerne pas. Amen. Nous, on ne cherche pas tout le monde. Ça, c'est le message comme le mât qui attire ceux qui ont été en Dieu. Si tu n'as pas été en Dieu, je ne peux rien faire. Si je prends un aimant sur le papier ne bougera même pas. Ce sont les métaux. Dès que je passe l'aimant comme ça, les métaux vont commencer à bouger. Tu passes comme ça. Alléluia! Il y a un champ magnétique invisible qui n'attire que les métaux. Pourquoi? Parce que les métaux ont la même nature que les mains. Les pouces ont la même nature que les pouces. Dès que la parole passe, les pouces commencent à bouger. Les pouces aiment ce qui est le septième son. Il n'y a rien qui peut bouger les pouces à part le septième son. Le poisson arc-en-ciel, il ne va pas pêcher n'importe comment. Frère, tu seras guéri, mortel. Frère, tu seras guéri, mortel. Je te regarde. Quand tu vas dire que Dieu a envoyé un prophète, comment ça bouge déjà? Et ce prophète-là dit ceci, je bouge. L'enlèvement déjà, il dit, je suis parti. Amen. Je suis catapulté dans la gloire. Amen. Maintenant même. Frère, mon ami dit que lorsque le Saint-Esprit traverse tous les fibres de votre corps, vous êtes déjà élevé. Non pas que vous les serrez, vous êtes déjà présent. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Tu vas ébranler. On va ébranler. Est-ce que je vais ébranler? Amen. je suis à Delphine. Le pasteur est debout. Pas pour toi. Pas pour moi. Écoutez. Oh my. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Gloire à Dieu, écoutez. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Ainsi dit le prophète. Les cieux seront ébranlés. La terre sera ébranlée. Bon, vous qui aimez partir au ciel. Frère Banham dit ceci. Écoutez bien. Le frère Banham dit que je n'aimerais pas partir au ciel. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Amen. Jamais. Le pasteur va prendre des voix de vous envoyer ça. Le pasteur, un jour, va projeter ça. Frère Bonhomme dit, en anglais, dit, I would never like to go to heaven. Because the word said, heaven and earth will pass. Je ne verrai pas aller au ciel. Parce que les cieux et la terre. Mais toi, tu veux aller au ciel, pourquoi? Parce que si ça passe dans ces états. Frère Bonhomme dit ceci. J'aimerais aller dans la parole. Frère Branham dit qu'il ébranlera. Pourquoi est-ce que lui-même il ne sera pas ébranlé? Il est parce qu'il est celui qui ébranle. Amen. Et pour vous, pour ne pas être ébranlé, vous devez être en Christ. C'est le royaume qui subsiste éternellement. Amen. Et quand le royaume descend, ça s'établit au lieu, à la place de tout ce royaume-là, ça devient une grande montagne. Amen. Et une montagne, c'est une personne. Alléluia. La montagne s'appelle Pasteur Armand. Amen. Combattez-le comme vous voulez. Il est déjà là. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zerubbabel?
Tu seras aplani. Et Zorobabel amènera la pierre de fête. Il entournera la pierre de fête. Parce qu'il a le niveau dans sa main. Très bien. Le niveau, ça sert à quoi? En anglais, on appelle ça plamette. Plamette. What is the plamette? Le plamette, c'est un instrument qu'on utilise pour mesurer l'exactitude. Maintenant, Zorobabel descend avec le plamette, le niveau dans sa main, pour mesurer l'exactitude. Amen. Ce que vous prêchez, est-ce que c'est la parole? Alléluia! Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, et tous nous serons changés. Frère Abraham dit, les changements là, c'est le pareil et combien? C'est vous avec moi. C'est le pareil et comment? Lorsque vous passez d'un état à un autre. Et Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra plus. Alléluia. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. C'est pas ça la résurrection. Vous attendez quelle résurrection? Quand tu crois en Jésus, tu as ressuscité. Amen. Aujourd'hui, Jésus devait les ressusciter. Amen. Et Jésus ajoute, il ne verra jamais la mort. Il parlait à Pierre. Quelques temps après, Pierre est mort dans la chair. Donc Jésus a menti. Amen. J'ai le niveau de Zorobabel, j'ai mesure. Amen. Avocat de promettre. Je suis en train de mesurer l'exactitude. Ce que vous avez enseigné, est-ce que c'est la parole? Je suis en train de parler. Amen. Soyez ébranlés. Amen. Parce que ça vous fera du bien. Amen. Une femme enceinte ne peut pas fuir les douleurs de l'enfantement. Parce que le gros ventre de péché que vous avez là, les enseignements de la dénomination, vous devez enfanter. Amen. Amen. Le soulagement vient lorsque vous enfantez, n'est-ce pas? Demandez aux mamans, vous savez nos mamans. Hein, nos mamans, vous savez non? Alléluia. Quand le ventre devient gros comme ça, ça vous allez. Moi, on a voyé la rana. Et c'est le péché dans le ventre. Tu dois faire sortir tout ça. Dès que le péché sort, c'est ce que je suis en train de faire. Recevez les douleurs de l'enfant. Amen. Ça vous aidera. Amen. Change tes définitions de l'enlèvement des millénaires de toutes ces choses parce que les royaumes sont ébranlés. Parce que moi-même, j'ai été ébranlé. Amen. Quand j'ai écouté, c'est dit, c'est ma gamme au pied. Je me disais, vous savez, ma Bible, on disait, poucou. On vient, non, ça, c'est pas comme ça, s'il s'agissait de Bon Seigneur, je dis Amen. Alléluia. J'ai consommé. Très bien. Et aujourd'hui, je vais approcher la chose. C'est impossible pour moi de venir si vous donnez de fausses promesses. Frère, préparez-vous, vous serez arrivé. Non, dit, fausse doctrine. Tu vas te préparer comment? Parce que l'enlèvement. Est-ce qu'un bouchon peut se préparer pour être enlevé par l'élément? C'est la nature, non? Si tu as la nature de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient t'enlever. Amen. Et Dieu mettra en vous l'amour de la parole. Amen. Est-ce que quand j'aime la parole, c'est moi? C'est Dieu? Je souhaite le finir. Je vois que les gens sont fatigués. C'est des calbalans, ça. J'ai fini. Parce que j'ai fini. Les cieux seront ébranlés. La terre sera ébranlée. Les cieux et la terre passeront. Mais cette église, cette parole ne passera jamais. Amen. Car ces rocs, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Frère Abraham dit que les rochers là, les révélations. Amen. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront jamais contre elles. C'est quoi les portes de séjour de mort? Les dénominations. Oui. Le mauvais enseignement. Et Dieu est sa parole. Mais nous recevons un royaume qui est la parole de Dieu lui-même. Est-ce que vous avez vu? Nous avons reçu la parole, un royaume qui est la parole de Dieu lui-même. Amen. Oui. Oh là là. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Oui. Il ne peut pas être ébranlé, a dit Paul. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même, hein, ce royaume-là. Amen. Quand il descend, le cinquième royaume, il est le fils de David. Amen. C'est ce que le prophète Zacharie avait vu dans Zacharie 4. Il voit quoi? Il voit les chandeliers avec deux rameaux d'olivier. Le frère Branham donne l'explication. Il dit les deux rameaux d'olivier, ce sont les deux témoins. Et les chandeliers, c'est les âges de l'église. Le frère Branham dit ça voulait dire que les juifs et les gentils sont ensemble. D'abord, non. Le quatrième mystère dans M. Kenneret-il.